Je veux une cabane. Oui, bonjour à tous. Je veux une cabane. La cabane, c'était quoi qu'il fallait? Du bois et de machin, de pierre? Alors. Oh là, le sorcier, qu'est-ce qu'il veut? La cabane, c'est 15 000 PO surtout et 300 bois. Nouvelle recette fabrication au centre de monstre. D'accord. On a normalement tous reçu une nouvelle fabrication qui est senteur de monstre. C'est ça, apparemment. Senteur de monstre. Va vaporiser ça sur vous pour attirer plus de monstres hors de leur cachette. Bien sûr, tout à fait, oui, oui. Oui, bagarre. Moi, je risque de mourir, mais c'est pas grave. Ne fais pas ça. Il faut 30. Elle est 30 slim en plus. On est où l'autre avec l'amélioration de la ferme? Je sais pas du tout. Pas demandé, mais je crois qu'elle a pas fini. On a 42 000, c'est quand même pas mal là. Mm. Bon, faut juste qu'on dépense au moins encore 1 000 000, mais. Oui, voilà. T'inquiète, on va dépenser 15 000 pour un cabanon. Yeah, trop bien. Super. Elle est toujours là, la madame, ou pas? On va dormir dedans, quoi. Bah là, il me tardait. Pouah. Vas-y, je vais essayer d'aller à la caverne de cristal. Ah non, mais c'est pas maintenant, c'est à quelle heure le bus? Dans pas longtemps. Le bus magique? Non, pas longtemps. Oh, voiture tout le monde! Tu m'as dit, Nino, combien le 300 de bois? 300 de bois. Juste 300 de bois? Juste 300 de bois et 15 000 PO. Ok, donc il manque 200 de bois. Et attendez, ça c'est niveau 1 du cabanon, parce que le grand cabanon c'est 20 000 PO, 550 bois et 300 pierres. On n'est pas sorti de l'auberge. Arrêtez de manger tout le bois par contre, c'est incroyable ça. Pour le bois, il y a une petite astuce. Vous allez au train, il y a souvent du bois par terre et ça repousse plus vite que la normale, je trouve. Mmh. Ouais, comme tu dis. Bois, le bois, le bois. Anniversaire du gamin aujourd'hui, si jamais. Tue-le! Pardon. La violence. Il y a Willy qui veut qu'on attrape 4 carpes. Oh, il est agacé en nuire. Et les carpes. Il peut pas les pêcher lui-même. Carpe, c'est un poisson d'eau douce, ça. Ah, tu peux l'avoir en haut. Au lac. Près de la mine. Pas juste en dessous de la mine. Ah, la grande. La grande. Grange, j'ai fini. Cool. Vous vouliez y mettre quoi? Des moutons, des moutons. C'est ça? Bah, je vais acheter des moutons. Des moutons, attends, principalement. Des moutons et des chèvres. Et des crocodiles. Alors attends, grand Stardew. La grande grange, on peut mettre 12 animaux. Et on peut tout mettre. Cochon, autruche, mouton, chèvre, vache. Ben, 12 animaux. Si on peut mettre un cochon. Et on a un mouton, on est une à 4 vaches, je crois. Ouais, bah. Ouais, au moins un de ce qui nous manque, quoi. Bah, on met deux cochons, ça fait 6. Deux moutons, ça fait 8. Deux chèvres, ça fait 10. Et deux autruches, ça fait 12. Si tu veux aller par là, oui, on peut mettre deux. Attends, deux, t'as dit des autruches? Oui, on peut mettre des autruches là-dedans. Si tu veux. Des autruches? Bon, allez, je prends deux cochons. On pourra faire sacré omelette, comment on les appelle? Ah, on devrait être à la question. C'est vrai qu'il faut leur trouver des noms, ouais. Allez, c'est parti pour les noms. Pendant ce temps, je regarde alors, si les cochons, ça fait... Pour un cochon, ça sera Peppa. Non. Non, on va pas l'appeler Peppa. Ils produisent de la truffe? Oui. Putain. Ils sont trop forts. Ils doivent être laissés dehors pour produire... Ah, attends. Bob et Dylan, non mais sérieux. C'est bizarre. C'est incroyable. Bob Dylan. C'est incroyable, cette idée de génie, là. J'en profite. Peut-être pas qualifier ça de génie non plus, mais bon, je peux comprendre. J'en profite. Hop là. Voilà. Et comme il y a quicon vendredi, du coup, je me remercie. Comment ils s'appellent les cochons? Sinon, t'as Bob et Patrick. En fait, tu veux juste Bob, c'est tout. Bob, le cochon, Bob. Mais ouais, tout. Je sais pas, les cochons. Alors, les plus cochons. De 300 noms de cochons, c'est parti. Roger.
On va l'appeler Bob. Berthe. Mais non, Berthe. Bob et. Berthe, c'est l'autre. Et Porky. Ça vous Porky va Allez, si tu veux. Porky ah non, le petit machin dans Taram et le chaudron magique. Et là, tu dis ça à Ralga à côté, il va le trouver de suite. Un pullover. Comment il. C'était Gurky, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ça me parle le nom. Tu veux quoi? Tu veux tirelire ou le chien de merde, là, la boule de poil? La boule de poil qui mange des pommes. C'est Gurky. C'est un nom de merde comme ça. Je l'ai plus en tête. Mais... Je l'ai plus en tête, voilà. Nom de merde, c'est vrai que j'adore ce nom, quoi. Bah si tu veux mettre voilà, Porky, mais Porky, mais je crois que c'est Gurky. C'est tirelire le cochon. Le cochon c'est tirelire, mais là je parle tire-lire, de la poule. Tirelire c'est cochon. Je parle de l'espèce de peluche qui parle. De la serpillière. Taram ? Non, ça c'est le personnage. Tirelire. Gurky. Gurky. Oui. Allez, c'est tirelire et Gurky, ça vous va ? Ouais, c'est bon. Wow. Trop bien, vas-y, j'achète. La peluche qui parle, la serpillière c'est Taram. Mon dieu, Nino, tu m'as fait tellement rire. Mais je connais pas ce truc là, moi. Ah, il faut le voir, c'est le meilleur des Disney. Non, c'est pas vrai, c'est pas le meilleur des Disney. Le meilleur des Disney, c'est Cusco. D'accord, et c'est tout. C'est le meilleur des Disney avant les années 90. Ok, ça me va. Il est surcoté. C'est quoi qui est surcoté en dos? Si il dit que Cusco est surcoté, je refuse de parler à Ando pendant un mois. Voilà, c'est bon. Ah, Taram, c'est bon. Gurky et Tirelire sont chez eux. Ah. Taram est surcoté, apparemment. Bon, ensuite, on prend quoi? Deux de ce que tu peux du reste. On peut les appeler Brigitte et Josiane. Deux moutons. On les appelle comment, les moutons? Attends, comment Bob Ross et... Non. Ah, comment il s'appelait? Guy. Le mouton s'appelle Guy. Je sais plus. Tu cherches quoi? Ah, il y a quelqu'un qui... Il y a un dos qui dit il veut appeler un mouton Sheep, tout simplement. Battle et Sheep. Pour Battle Sheep. Comment on dit laine en anglais? Non. Comment on dit laine? Wool. Wool. Ben, Whirlpool. Ça. Tu peux l'appeler Wooly, le petit mouton. Oh, Wooly, c'est mignon. Wooly, c'est mignon. Ou alors, tu peux faire mieux l'appeler Wat-Wat. Allez, Wooly. Wooly et Wat-Wat. Allez. C'est allez. La Wat. Wooly Woodpecker. Parce qu'on a des chèvres aussi, je vous rappelle. Mais les chèvres, ça sera Clémence et Mandarine. Ah non, mais les... non, tu mets des noms de vieilles. Ok, Gertrude et Josiane. Tu pensais Gertrude. Ou Ginette. Ah, attendez, il y a Woody. Ginette. Ah. Ou Noël. Ah bah c'est tout, Noël ça s'arrête là pour aujourd'hui, a priori. Oh. Oh non, mais on a plus de fric, mais vous me fatiguez. Ah, il t'inquiète pas, là, ça arrive, je pêche là. Ah, bordel, il y en a des bûches à nourrir. On a plus d'argent. Ah bah en même temps, on vient d'acheter tous les animaux de la ferme. Alors, Wat-Wat, c'est W-A-T-T, W-A-T-T, parce que c'est un mouton électrique. On vient d'acheter deux cochons et un mouton. Mais je crois qu'on l'a écrit... Oh putain, il y a du monde là-dedans. Je suis très déçu. Et t'as dit, Nino, que les cochons, faut les laisser dehors tout le temps? Ouais, faut les laisser dehors. Pas tout le temps, non, comme les autres animaux. Comme mais ils font de la ils cherchent les truffes par terre, en fait. Ils font grouic, voilà la truffe. Ils font exactement comme ça, d'accord? Personne ne mettra ma parole en doute. Wooly semble curieuse, mais un peu prudente. Elle s'habitue à sa nouvelle maison. J'aurais fait Nani. Nani. Tu sais que tu peux vendre les animaux après? Ah non. Mais c'est pas gentil. Tu peux autoriser la reproduction aussi. Non plus. On n'a pas assez de mais points. Mais si, après on les vend. On n'a pas. Mais c'est cruel. Mais c'est si on horrible. Les bébés, on vend les bébés. Mais. Mais. On est une famille. Et après on dira que. Après on dira que Pikmin c'est de l'esclavage. Non mais c'est trop bien comme idée. Mais on fait de la reproduction et on les vend. On n'est pas capitaliste, on est une ferme bio. Ah bon, qui c'est qui avait dit ça? Bah nous quand on n'a pas signé chez le supermarché mais chez le petit commerçant. Ah oui c'est vrai. On va vendre des vaches. Mais c'est vraiment. Qu'est-ce pas qui rapporte sympa. Le plus à vendre? Attends faut qu'on regarde. Oh là là mais elle est partie ça. On n'a pas les mêmes balles. Où sont l'argent? Où est l'argent?
Attends, ton cabanon, tu vas le payer avec quoi? Avec de l'herbe, peut-être? Non, avec des poissons. Avec du vomi. Quoi, tu me diras, les poissons, c'est un animal. La 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 la. Il faut leur mettre plus de gazon. J'ai pas arrosé les fleurs à côté des ruches. Oh no. Et j'ai côtoyé les pavés. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Hein. Ouais, bah ouais. Tu sais que je l'avais réécrite celle-là. Oui. Et on attend toujours Weshden. Hein. Oui, oui, je sais, je t'inquiète pas, j'y travaille encore, mais elle me... C'est pas cool, hein. T'imagines les délais d'attente, tu vas pas dire que c'est le Covid, là. Non, 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 c'est pas le Covid, c'est... là, c'est elle-même, je sais plus comment elle s'appelle. Weshden. Mais non, c'était pas Weshden, c'était Aya Nakamura. Ah, mais on sait plus, c'est Weshden ou Aya, au final c'est... Non, non, c'est Aya. Pourquoi il y a un chemin pavé à vendre, là? Aya. On vend pas les chemins pavés, n'importe quoi. Tiens, Nino. Oui. Il est sûrement disparu quelque part. Qui c'est qui a vendu un chemin pavé là? Je sais pas, il était dans la boîte à vendre. Je l'engueule. Moi. Qui? J'avoue. Je l'ai trouvé par terre, j'ai dit oh ça m'énerve. Bah, tu mais c'est fou ça. Mais non, parce que j'ai pas trouvé le trou, c'est pour ça que ça m'a énervé. Bah tu le poses dans la boîte qui va bien. Mais c'est laquelle boîte qui va bien pour les ça, pavés? C'est celle qui est en dessous du verre. Il y a 57 coffres verts. Vendre. Ah oui, on s'y retrouve plus à tous les coffres, hein, mais... Ouais, c'est... Oh. Alors, on reprend les enfants, vous voulez une petite... Non, 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 alors ceux de gauche, à gauche. Ceux de gauche, ça va. Saison. Printemps, été, automne, je te hiver. Déteste, moi. D'accord. Non, moi, je mets des trucs dans le coffre, là, voilà, ça te sera contente. Moi, en fait, là, je me plante, c'est surtout ceux-là, là. Ils sont... Voilà, j'ai mis des noix de coco dans le coffre. Ça. C'est pas un truc de saison, donc ça va dans aucun des coffres. Si, si, non, non, si, la noix de coco, si, ça va dans le coffre qui a pas de saison, justement. Tout ce qui est désert, c'est là. Il y a une barrière qui tire la gueule et c'est un portail. Oui, je sais. D'accord. Mais en même temps, on me dérange. Ouais, mais c'est parce que c'est un portail que je l'ai dit, sinon j'aurais pas dit. Après, c'est du bois, hein. Ça, parce que j'aime pas les barrières. Je les aime pas, elles sont pas gentilles. Ils sont pas gentilles. Elles sont nulles, je les aime pas. Burk. Attendez, pourquoi il chauffe le vomisse. Cherche le bois, c'est moi qui le lis. Non, non, c'est juste qu'il y a de la chauve-souris ici, dans le coffre rouge, et de la chauve-souris dans le coffre noir. Ça va bien se passer, les gars. On va c'est crafter le cabanon, là, et on en va reposer rouge les coffres. Et noir, les ailes de la chauve-souris. Je vais vous faire un truc un peu plus propre. Je suis perdu. En attendant, tout le monde au lit. Bon, c'est pas l'heure encore. Allez. Pardon. Je le remets de suite. Voilà. C'est absolument pas ça que je voulais. Il y en a qui veulent mourir ici. Je suis au lit, hein, je vais me coucher. Ouais. Je sais que vous avez envie de bois, mais quand même. Il y a un pudding aux prunes à la télé, si jamais. Il y a le chat qui dort avec moi ce soir. Mais... Jour 10, année numéro 2. Putain, maintenant j'ai envie d'écouter.